Eh bien, bonjour, mon nom est Daniel Lacroix. Je vais prendre juste quelques minutes de votre temps pour vous annoncer des bonnes nouvelles. Avant d'aller au vif du sujet, c'est-à-dire le calendrier des activités, j'aimerais remercier les gens qui nous suivent, j'aimerais remercier les gens qui participent au projet et j'aimerais remercier les paliers du gouvernement qui nous ont appuyés, les municipalités, la MRC, le provincial et le fédéral. Depuis qu'on publie en mars 2020, nous avons publié en continu, du lundi au vendredi, parfois les fins de semaine, 460 articles sur divers sujets qui vous intéressent et sur des citoyens. Nous avons aussi, avec ça, des chroniqueurs qui partagent leurs idées, puis parfois leurs émotions. Alors, on est très heureux de ça. On est très heureux aussi des gens qui nous lisent, parce que nous avons en moyenne 8000 pages vues pour les deux derniers mois. 9000 quelques en juin, puis 7000 quelques en juillet. Donc, les gens ont continué, les gens de partout, de la MRC, même de l'extérieur du Québec, on a même des gens au Texas qui nous lisent. Je pense que vous savez pourquoi. Donc, beaucoup de pages vues, les citoyens nous lisent et ça va très bien là-dessus. On a même créé 3 emplois. Un emploi à temps plein, Mme Morissette, qui est à la rédaction. On a un emploi à temps partiel, M. Bray, le journaliste. Vous avez besoin de communiquer des activités, des sujets. Ces gens-là sont là pour ça. On a aussi, pendant quelques semaines, un jeune étudiant, Alexandre Auclair. Et ça m'amène au vif du sujet, c'est-à-dire le calendrier qu'on va mettre en place bientôt. On est bien fiers de cela, excusez-moi. Parce que le calendrier, son but, c'est de regrouper à un endroit, ça a été demandé il y a longtemps, de regrouper à un endroit les activités qui se passent dans la région de Valcourt et même dans la MRC. Il se passe quelque chose chez vous, vous allez pouvoir le mettre là-dessus. Vous voulez savoir ce qui se passe dans la région, vous allez pouvoir le mettre, vous allez pouvoir le consulter. Alors, ça, c'est un projet qui faisait longtemps qu'on avait en tête, puis on va pouvoir le mettre en place bientôt, si ce n'est déjà fait. Un petit message pour les gens d'affaires, si vous pouvez nous appuyer financièrement en mettant des publicités chez nous, ben c'est votre façon à vous de mettre votre épaule à notre roue pour qu'on puisse accomplir notre mandat, mettre la région en valeur. Alors, je vous laisse là-dessus, puis je vous remercie d'avoir écouté. Au revoir!